Toi, Tu parles autrement, hey, c'est moi qui Narbok. tu parles, je m'appelle Derka frère, baisse tes Et yeux, alors, je ma m'en bats voiture les si je veux, couilles, je oui, je m'en bats l'achète. les Reste. couilles. Il Eh hey, avance. frère, hey, enlève ta cagoule, eh hey, gros, enlève ta cagoule, sale bâtard, va. Hey, t'es Moi, chez la je police là. t'avance. Non, on m'a il a dit dit de venir comme ça, on m'a Eh, hey, dit je m'en bats dégueule. les couilles, gros, t'es dans un lieu public, c'est un pays Vous laïque. savez que. On m'a dit de que venir comme ça, on m'a dit de Non, venir comme ça, gros, je on peut suis pas un flic. t'identifier. Ok, Hey, te fous monsieur. de ma gueule, enlève la Mais cagoule, tu vas la vie voir, de tu ma vas mère, voir. je vais te niquer ta race, Tu vas voir, il va venir comme ça, monsieur. Monsieur, monsieur, avec la cagoule, Eh, lui enlever ses voilà, son enlève-la, bon identité, coup de vous queue avez. maintenant, Non. écoute bien, t'as dit. Un peu. Non, je dois faire un entretien cagoulé. C'est un de vos Négatif. collègues qui m'a dit de venir. Négatif, il a dit. Négatif, ça veut dire non, Mais ça veut dire demandez à nique ta mère. 88. Ah Demandez oui, à vous inquiétez, 88. bah, allez-y, rentrez. Ouais, Pistolet c'est un mot de automatique. faux. Attends, Attendez, attendez. Permets-moi parce que j'étais là avant toi. Oui. Commence pas avec ton vieux. Non, non, il était là, monsieur. On te l'a offert à Noël, ton suprême là. Eh frère, c'est schlagué de ouf, gros. C'est pas ça la mode, c'est Lacoste, Charles Tacchini. Même sur l'agent. Il y a moyen de parler à un responsable, c'est pour être médiateur en fait dans les cités. D'accord. Attendez, du coup, que je finisse avec monsieur et je suis à vous. Ouais, ok, très bien, je me recule. Mais t'es con quoi, il est déjà en intervention avec ce monsieur là. Vas-y, casse-toi là, il parle, là. Il est en train de parler, c'était après moi, wesh. Oh, par contre, faudrait faire de la chirurgie pour ton nez, frérot, parce qu'on dirait une patate écrasée, vous on dirait pouvez, une pluie, une mousse, parler une un peu plus loin ouais. là-bas. Mais elle sera encore plus écrasée quand je mettrai ma gueule dans ta gueule. Ma gueule dans ta gueule. Non, dites-moi. Frère, monsieur français, il a fait bac moins 3. T'oses parler, hey, t'oses parler, gros, on t'as même pas le brevet, je m'en bats les couilles. On dirait Hulk, con, ouais, je suis un Hulk probeux. Regarde, Hulk probeux, regarde mes muscles. Il est blanc. Mais là, qu'est-ce que vous faites, monsieur là? Nudité là, pour nudité. Oh là là, ah, mais putain, il a des gros pecs. Bloc. Eh, sale clochard, regarde ta face, gros. Coco. T'as de sida ou quoi, ta gueule là? Dégage, oh, dégage, je suis en rendez-vous. Trop du cul, hein. Et après, je vais pas me prendre demander ce que tu vas faire. Enferme ta gueule. Pourrais-je demander un gradé ici, s'il vous plaît? D'accord. Ouais, donc je voulais me proposer pour comment dire faire de la médiation dans les gangs, dans les quartiers, les gangs. Quoi. A few moments later. Essayez de pas trop avoir de problèmes. Ouais, ne vous en faites pas. J'ai travaillé dans les cités. Je faisais de la médiation également dans les MJC. Et LM, toi là? Il y a un petit business à se faire ou pas, les gars là? Quoi? Ah bah. Oh, non. Ça vous hey, mafioso, j'ai un deal à vous proposer. Courez, on va se mettre à l'abri. What? Allez, c'est quoi ton deal là? Ah, on n'a pas encore fait de vente, mais toi, attends. Qu'est-ce qui se passe? Run. Bah, les couilles de Benzema, je vais te niquer ta petite rage. Je suis dans la tour Eiffel pour sucer. Ouais, il a disparu! Oh, Dédé! Bon. Dédé! Négociateur, avancez s'il vous plaît, je vous expliquerai pour la transaction. Alors monsieur, vous confondez hein, totalement. Non, on m'a demandé de voilà de gilet avec le cosplay raté d'Hitman, c'est vous? Ah non, monsieur? Ouais, attendez, je vous explique, en fait, je vais être honnête avec vous, en fait, je suis prostitué pour homme. Voilà, vous me payez 50$, je vous suce. Non merci, ça va aller. Détendez-vous, c'est que de la peau. Non, ça va aller, merci. Ok, bah, je vous arrête pour un flagrant délit de refus de suce. Sur ma bagnole. Tant que tu me payes pas, je reste là, sale bâtard. Wesh, y'a un mec, il a la voix de Dark Vador, mon frère. Eh, ferme ta gueule, c'est moi dont tu parles. Bah, suce mes maracas alors. Suce mes Uxer. Alors, c'est votre véhicule? Ouais, c'est le mien, ouais. Attendez, je vais monter dedans. Attends, on m'a volé mes clés. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais les papiers du véhicule, y'a même pas 30 secondes là. Qu'est-ce qui se passe? On m'a volé. Vous êtes en train de me mentir. Ça bon, va, monsieur. Vas-y, dégage, Hitman. Oh, hop. Eh, la vie de ma mère, tu vas enlever ça tout de suite là. Eh, les gars, aidez-moi là, il est en train de m'embarquer alors qu'il m'a violé. Il m'a violé pour avoir les papiers, ce bâtard. Voilà, libère-moi. De toute façon, il y a des témoins qui étaient là. Comment t'as sorti mon nom? Mais voilà, c'est bon, tu cherches. Eh, vous faites pas votre travail, regardez ce qui se passe. Regardez devant, juste devant. Il y a un otage, regarde, fais ton travail, putain. Sortez, monsieur, s'il vous plaît, on va attendre. My Big Burger, il ben, y a des témoins, voilà, il y a des témoins. Aidez-moi, les gars. Expliquez-lui parce qu'il a sorti témoin, mon nom. Je suis témoin. Alors qu'il m'a même pas fouillé, ce bâtard. Monsieur, vous pouvez sortir. Merde, mon corps. Ouvre la porte, je te dis. On va régler ça tout de suite parce que je vais porter plainte contre vous là. Vous êtes pas droit, parce que vous êtes en train de me menacer là. Je menace qui je veux. Comment vous avez sorti mon nom? Comment vous avez mon nom? On est débordé là. Porte-les. On va manifester contre la police là maintenant. Monsieur. Je suis vénère de ouf. Regarde mon visage, comment je suis vénère de ouf. Ce serait pour demander. Eh, je me suis fait gilet jaune, les gars. Regardez. Oh, regardez les bâtards, j'ai perdu un œil. Eh, sale bâtard de flic là. Regarde ce que t'as fait avec ton flashball. Putain. Regardez, c'est ça que je parle. Regarde mon œil. Avec vos flashballs là. À vouloir faire la discipline. Regardez.
Ouais, je porte plainte contre toi, sale bâtard. Oh, pourquoi il y a tant de monde qui m'encercle là? Bon, je porte plainte contre le mec chauve là. Après, il me touche la cuisse et il me dit. Quoi? Mais je vous ai pas touché la cuisse? Qui suce des mecs. Toi, t'es un mytho. Comment ça, je suis un mytho? T'as de la chance qu'on est chez les flics, sinon je t'aurais tarté la gueule, frère. Zéro aussi, je descends pour. Ouais, bah baisse tes yeux, je te dis. Regarde ma bouche, comment elle est grosse, regarde. Ah ouais, c'est sûr, elle est si grosse que la chatte à ta mère. Peggy 18. Regarde, j'ai aspiré le clito de ta femme, sale bâtard. Ta petite maman, on l'a retrouvée morte il y a quelques jours, gros. Avec un hérisson dans la chenille. Je me suis amusé à faire, je lui ai mis une baramine dans le cul, gros. T'es je me suis éclaté sa race. Oh là là, ça, on a battu un record du monde. Tu sais où elle est allée, la baramine? Elle est partie de son rectum, et après j'ai traversé la moelle épinière, frère. Et je lui ai éclaté le crâne zère. Non, là, j'en ai marre, là. Tout le monde m'appelle Hitman. T'es pas genre la victime, assume ton Hitman. J'ai un contact, tu veux faire du cosplay ou pas? C'est Ubisoft, ils m'ont contacté pour faire du Hitman. Tu veux venir à la PGW? Vas-y, bien. On porte pas l'un contre l'autre truc et... Ouais, on a arrêté finalement, on est potes. Vas-y, on se casse. Et par contre, on a décidé de porter plainte contre vous, monsieur le flic. La raison? Abus de personnalité, faiblesse. C'est-à-dire que vous êtes un fragile, vous avez rien à foutre dans un commissariat. Ce n'est pas votre rôle, monsieur l'agent. Bon, monsieur, allez, je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. Ouais, on sort. Mais avant toute chose, je vais juste vérifier sur le PC si vous avez Windows XP. Eh, la vie de ma mère, Windows 3.11. Ah, lâche sous ma frère. Allez, je me casse d'ici, là. T'as les mêmes PC que... Eh, pourquoi tu m'arrêtes, là? Frère, fait mal, je vais bien Windows 95, ça brûle, Windows 3.11. Ça brûle les menottes, hein. C'est le même système d'exploitation que j'avais quand monsieur, j'ai libérez le. Il met en danger la vie des autres. Ah, merci votre chérie, c'est mon véhicule. Merci de me l'avoir amené. Oh merci, la les gars. Vache, c'est incroyable. Eh, hey, bouge de la caisse, toi. Ton Narbok. Narbok. Je tu parles, je m'appelle Derka, frère. Baisse tes yeux. Et alors, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Eh, t'avances pas, sale bâtard. T'avances pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ta voiture, je la nique. Ouais, je DM les mecs. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais où est-ce qu'on est? Eh, ta voiture, c'est de la merde. Regarde ton covering, mec. M'en bats les couilles, gros. Regarde ton covering. Ferme ta gueule. Je m'en bats les couilles. C'est ma rue ici. Eh, hey, tu payes si tu circules ici, je m'en bats les couilles. Dégage, allez, bon toutou, casse-toi là. Tire-toi. La rue, c'est par où? Oh, monsieur l'agent, regardez ce qu'il fait. Bon, tu sais quoi, vas-y. Oh, descends de ma caisse. Oh, descends de ma caisse. Suce-moi maintenant. Je m'en bats les couilles, gros. Tu me la suces maintenant et je te libère. Tu fais trop le mec, gros. Enlève ta cagoule, je te dis. On va parler de ma homme. Ce qui va se passer, c'est que tu vas me donner un taf, un peu de thune, tout de suite là. Je vois que t'as une petite merco là. Ah, merci pour la bagnole. Merci, frère. C'est bon. Il t'arrive quoi là? Fais pas le con. Tranquille. Descends de la caisse pour descendre. Je vais descendre. Mais attends, j'appelle les flics. T'appelles personne. Mais vous êtes vraiment des baltrins. Vous vous amusez avec vos pistolets comme pote, des petites tapettes. Alors mon pote. Alors on fait le beau. Eh les gars, je suis un dévot. Je suis un mec de cité, les gars. Fermez vos gueules. J'ai une plus grosse personnalité que vous, les gars. J'ai plus de charisme. Donc donnez-moi vos fringues. C'est moi votre chef maintenant. Lève les mains. Mais qu'est-ce que je lève les mains? Qu'est-ce que? Je suis pas votre baltring, les gars. Ouais, voilà. Quoi vous faites les mecs? Bien sûr, on va parler. Viens, monte dans la voiture. On va bien parler, mais il y a surtout ta mère qui vient me sucer la bite. Vas-y, monte dans la voiture. Je t'ai enlevé tous tes moyens de communication. Non, s'il te plaît. C'est mon iPhone, gros. T'es sérieux? Vas-y. Non. Tu pas d'iPhone. Ouais, je laisse les mains. De toute façon, ça fait plus de sensations quand t'as les mains enlevées comme un Space Mountain. T'as déjà fait Space Mountain, frère? Ça te fait quelque chose? Y'a la police, m'en bats les couilles, t'es dans la merde, gros. Allez, chier pour ta gueule, allez, vas-y. Ouais, il quitte sa bagnole. Face au mur. Merci, monsieur les policiers. Monsieur l'agent, c'est lui. Hein. Face au mur, bougez plus. Le deuxième qu'on. De toute façon, mon histoire, c'est moi la victime, il m'a pris en otage. En otage. Ouais. Non, j'allais juste parler avec lui. Mais là, non, il c'est pas vrai, monsieur. Allez, chier. Calmement. Venez, on va se lever. Allez, chier pour ta gueule, gros, tu t'es fait choper par les flics. T'as voulu faire le mec, allez, vas-y, ferme ta gueule. On se reverra. Mais qu'est-ce que je reverra? Tu vas prendre ta peine. Bon, monsieur, suivez-moi, on va s'éloigner. Ouais, non mais attends, il m'a dit qu'il allait m'enculer ma maman, il voulait me violer, il voulait me sucer. T'en fais trop, mon petit gars. On bat les couilles, j'ai le sida. T'en fais trop. Alors je suis tranquille, j'étais en train de faire un petit footing normal, regardez ma tenue. Et là je commence à être essoufflé, je commence à prendre mes. Et là en fait les mecs ils m'avaient jeté depuis tout à l'heure, ils étaient avec un pote, un collègue. Genre je me dis mais attends, je fais du fractionné, normal on m'arrête alors que je suis en train de récupérer. Commence à me mettre dans son véhicule, il me dit ouais, lève les mains en l'air et tout, monte dans le véhicule frère. Je fais qu'est-ce que frère, va te faire enculer, nique ta mère. Et il me dit, il commence à me pointer le gain là sur ma gueule, il me dit lève les mains. Ah bah il se passe des choses là. Il m'a pris en otage et voilà. Et ensuite vous êtes arrivé à temps. Et franchement, ça tec la famille, hein. C'est bien la police que vous faites. Vous souhaitez porter plainte? On va s'occuper de lui, ça c'est sûr. Mais vous souhaitez porter plainte parce qu'à mon avis, il fait partie d'un réseau, donc si on l'enferme, on peut être bien. Collègue, mettez-le dans la voiture. D'après ce que j'ai vu, ils vendent des godes sur internet, donc je suis pas sûr. Ils vendent des quoi? Des godes, exactement. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est il y a pas que des godes, à mon avis, il fait un trafic de vaginettes, frère. C'est très suspect. Je peux récupérer mon téléphone? Vous ramenez d'abord. La chose que tu vas récupérer en mode vibreur, c'est un god, sale con.
En plus, bâtard, il a volé la voiture à GMK. Non, c'est pas du tout, arrête. Bah, c'est la même, je regarde ses vidéos YouTube, frère. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas lui. En plus, vous voulez les véhicules de GMK, c'est. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas lui. Ah, ça, c'est. Bah, on va faire, on va procéder à une petite vérification, je pense, monsieur l'agent, ça va être très bien. Je pourrais récupérer mes balles et tout après, une fois que je sortirai du commissariat. Bah, est-ce que surtout tu pourrais fermer ta gueule parce que là, il est concentré, le monsieur, il conduit. Bah, il a son permis, le monsieur, il a pas besoin de. Hein, c'est toi et moi qui parle. Il a un casque Rurock, j'aime bien ça. Oh, j'aime bien. Merci, arrête de sucer, toi. Attends, bougez pas. De sucer, va. Alors, je te parle terrain, gros. Plus de sucer, va. Plus j'aurai de quoi faire ma petite défense. Plus tu suces, mieux c'est, ça. Je pense qu'il veut pas comprendre. Et voilà, et voilà, il fait le malin. Et voilà, je sais pour sa gueule. Voilà, merci, monsieur l'agent. Il a mis avec moi le jeune homme en rouge, là. De salopard, bande de salopard. Il faudra le faire enlever aussi son espèce de cagoule, là. Son t-shirt Skype, là. Comme ça, je verrai son visage. Bien noté. Venez. Ouais, Sub-Zero là, ouais, il faut que. Ouais, ton masque là, c'est quoi? T'as le droit à ça, la police là? Ça protège quoi ça? Les mâchoires? Ouais, c'est pour éviter les patates, etc. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Il y a beaucoup de pistes dans cette ville, tu vois. Je suis la victime là, je dois faire une déposition. Très bien, vous en faites pas, je suis là. Je veux pas que ce soit un zoo quoi. Mais de toute façon, en général, quand un mec il me vénère, je nique sa mère. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Des fois, j'entends une petite voix, ils me disent Derka, t'as un mec bien, sors-le du bain. Ah, ça c'est coup de coude direct. C'est très stylé ça. C'est la confrontation, showtime. Ouais, je petite chiotte, alors Balfry. T'as voulu faire le malin avec ton John, c'est ça, me menacer. Par contre, avec qui? J'étais tout seul, j'étais. Déjà, viol sur mineur. Attente à la pudeur et agression. Oui, mais attendez, déjà. Oulala. Faites les prélèvements dans son petit cul là. Allez, vend des gueules sur internet. Vous verrez derrière. Allez, tourne-toi, penche-toi. Eh, le dropshipping, c'est internet. C'est interdit sur internet, on t'a dit. Enlève votre cagoule, je vous l'enlève. Allez, on va voir sa sale gueule, ça va être trop marrant. Toi, t'as une vieille gueule de chien aussi, je te le dis, mon gars. Commence pas, attends qu'on regarde la tienne. Je me T'as une vieille gueule de pitbull, mon gars. Je suis déjà en préparation. Je suis en pré-fou rire déjà. Tu vois ma gueule, espèce d'enfoiré? Demandez-le. Non, le bob, je veux pas. Non, mais c'est qui rigole là. On dirait une fusion de Charlie Lee ratée, quoi. Pourquoi tu rigoles? Les gars, on comprend rien. Ben voilà. Eh, Jackson Richardson, ferme-la. Espèce de fiotte, va, regarde ta tête. T'as utilisé le porte-épic pour le greffer sur ta gueule ou quoi? Regarde ta face de chien, voilà. On se baladait tout seul depuis tout à l'heure, quoi. Bon, messieurs. Il se passe quoi? Sortez. Oh putain, ta gueule, mais je comprends. Mais pourquoi t'as mis le cagoule, frère? Espèce de fiotte, va. Qu'est-ce que tu veux faire? En plus de devoir supporter sa gueule, il y a l'odeur aussi. Bon, allez-y, mettez-les dans des cellules séparées, s'il vous plaît. Là, c'est une blague raciste. Un putain de raciste. Mais je vois que c'est un zoo, là. Putain de raciste, va. Et lui, il a fait quoi? Je suis pas raciste, mais il y a le bruit, les odeurs. Un putain de raciste, je te le dis, mon petit pote. Non, y a pas moyen de parler avec un enculé. Du procès, d'y faire une petite séance de maquillage parce que là, ça va pas faire bien. Je tiens à vous dire que vous faites vraiment du bon travail ici. Je fais de mon mieux. Alors, les chefs d'accusation, ça va être très simple. Menace de mort en bande organisée avec son pote, séquestration. Entendu. Viol, c'est ce que vous avez il y avait ça, mais il m'a juste mis une phalange, donc je vais pas le mettre. Enfin, je sais pas. C'est au choix, les gars. Monsieur l'agent, je vous laisse en bonus. Ah, c'est comme ensuite, vous voulez. Hein. Travail forcé. Attends, la pudeur, quand il est monté dans le véhicule, il a baissé son froc. Oui, il vend des gouttes sur internet. Vous voulez que je l'aide à pisser dans sa petite vaginette achetée chez Wish. Mariage forcé. Vous aussi, il a essayé. C'est cool. Oh oui, quand même. Ça, c'est combien ça? Collègue, perpétuité, ça, non? Ah oui, ça, c'est très très sale en tout cas. Ah, il est mort. Enlèvement, menace avec arme, menace de mort réitérée et vol de téléphone. L'arme gelée. Et dropshipping depuis le Wish, comme vous l'avez remarqué. Oui, ils vendent des gars de contrefaçon, etc. Mais il m'a forcé à sniffer sa cam. Ah, frère, vendre. C'est bon. Mais non. Je sais pas si c'est de la cam. Et braconnage, je crois que dans sa voiture, il y a un hérisson mort. Ouais. Ah, il peut être en prison jusqu'à 5 générations, là, je crois. Pas mal. Ah ouais, racisme anti-blanc. Ah, ouais. Il a dit nique les blancs, nique les blancs aussi. Je sais pas si on peut le rajouter. Entre guillemets, nique les blancs. Tête de barbarie aussi. Acte de barbarie. Viking, le gars. Ouais, c'est un barbare. C'est un visigoth. Je pensais que c'était que dans les jeux, ça. Oh, il est chaud. Ah ouais, aussi, vol de voiture à GMK aussi. C'est un youtubeur. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, je connais. Il vole d'avion aussi, non? Non, juste la voiture. Ouais, bah vous faites bien votre travail. Permettez-moi de vous remercier, hein. En tout cas, vous avez géré ça de main de maître. Pas de problème, merci à vous aussi. Désolé pour les perturbations qu'il y a eu. Bon, écoutez, monsieur, bonne chance à vous. Que ça merci à vous aussi, bon courage, hein. C'est compliqué, là, vous savez. Bon courage. Ah oui, les temps sont durs aujourd'hui. Bah merci, bonne journée à vous. Merci. Allez, on y va. Merci Hubert. Merci pour le Zeppelin. Livraison de shit. Passe-moi le parachute. Il a sauté. Oh, il est sérieux.